Anya a 39 ans. Deux enfants, Lucas et Sophie, et est mariée avec Pierre. Elle travaille comme vendeuse à temps partiel. Quand soudain, la vie de la famille bascule brutalement. Anya apprend qu'elle souffre d'un cancer du col de l'utérus. Elle est opérée et suit un traitement oncologique. Grâce au soutien de son mari, Anya peut se débrouiller seule à la maison. Sa belle-mère apporte son aide à la famille. Malgré tout, les enfants sont stressés et anxieux lorsqu'ils sont seuls avec leur mère. Pour Pierre aussi, le stress augmente. En plus de son travail à 100%, il s'occupe d'Anya, gère le ménage et veille sur les enfants. Il ne peut pas se permettre de travailler moins pour des raisons financières. Mais même ainsi, la situation financière devient difficile. Les frais de santé sont lourds et le salaire d'Anya n'est plus disponible. Les économies disparaissent peu à peu. L'état d'Anya s'aggrave encore. Lors d'une autre opération, les médecins découvrent une nouvelle tumeur. Pour Anya, la réalité est cruelle. Il n'existe plus de traitement qui puisse la guérir. Elle est transférée dans l'unité de soins palliatifs. Comme la prise en charge des frais par la caisse maladie est limitée, il lui faut rapidement trouver une autre solution. Mais laquelle ? Aller dans un établissement médico-social ? Pour la jeune femme, c'est inimaginable. En plus, elle devrait payer les frais de séjour elle-même et n'en a pas les moyens. Retourner à la maison ? Les enfants verraient leur mère mourante dans leur propre foyer. Et Anya ? Lorsque son mari travaille et que les enfants sont à l'école, elle a peur de la solitude. La famille vit la plus grande tragédie de sa vie et risque de passer au travers des mailles du filet. Une maison de soins palliatifs serait l'endroit idéal pour Anya. Mais dans le canton de Berne où elle vit, il n'existe pas encore d'offre de ce type. Cette lacune doit être comblée. Le collectif bernois pour les maisons de soins palliatifs prévoit 5 projets. Dans la région de Bienne, dans le Jura bernois, dans l'Oberland bernois, dans la région du Gantrisch et sur le plateau. Ils offriraient chacun 10 à 12 places. Dans une maison de soins palliatifs, les personnes en fin de vie sont soignées et entourées jusqu'à leur mort. Des professionnels de santé sont présents 24 heures sur 24, soulagent les douleurs et rassurent. L'atmosphère familiale qui règne dans une maison de soins palliatifs se distingue des hôpitaux et autres établissements médico-sociaux et aide les proches à faire leurs adieux. Leur présence facilite aussi les derniers moments des personnes en fin de vie. Actuellement, le collectif bernois pour les maisons de soins palliatifs clarifie les aspects juridiques et financiers avec les autorités afin qu'en 2026, la première maison de soins palliatifs du canton de Berne puisse ouvrir ses portes. Revenons à l'histoire d'Anya. Il est clair qu'elle va bientôt mourir. Mais mourir à la maison n'est pas possible, dans un hôpital ou un établissement médico-social non plus. Que faire alors? Son père, âgé de plus de 80 ans, lui fait alors une proposition surprenante. « Viens chez moi. » Au début, personne ne soutient cette idée, ni Anya, ni son entourage. Mais Anya n'a pas le choix, et Anya meurt 3 semaines plus tard, chez son père très âgé. Comme à la naissance, des offres dignes, professionnelles et financièrement supportables devraient être disponibles en fin de vie. Les personnes encore jeunes et touchées subitement par une maladie grave ont en particulier besoin d'offres adaptées à leur situation. Des personnes comme Anya. La société doit y veiller.